Paul Mena complice des massacres faits sous population profondeur. Depuis l'arrivée dans le département, et c'est gang qui a renforcé et équipement matériel que la police a bail pour lui combattre et insécurité pour protéger la population, et bien les bail bandits la donne. Et c'est pendant plusieurs jours que bandits et même environ deux semaines qu'ils ont dit qu'ils vont l'attaquer. Et pas oublier, n'a pas rappelé, c'est une attaque qui fait dans Ponsonde. Ponsonde gagne une équipe IDMO qui plus passe 20 qui cantonné dans un sous-commissariat Ponsonde. Ça veut dire yo équipé, yo gagne un minimum et équipement moyen dans meilleur pour être capable d'intervenir à temps. Il n'a pas fait rien sous l'ordre directeur départemental police Paul Ménard. Et nous-mêmes dans RNDDA, nous saisis ouais, et 6 jours après le massacre, la direction générale de la police et haut état-major de la police, particulièrement l'inspection générale de la police, DCPJ pour qu'on fasse rien et pour y attendre Paul Mena qui est directeur départemental police à Thibonite et naturellement le policier qui a compris sa situation. Et il est clair que les pacifiques pour la population, ce n'est pas les massacres qui ont fait, pas oublier, non, il y a plus passé 80 personnes qui ont mouru. Les nous sorti rapport. Petit document qui nous sorti jour vendredi 4 octobre 2024 là et nous te parler pour petit il y a 70 monde qui mourir un paquet de monde qui disparaît qu'on y la chiffre là augmenté à 80 monde et sans compter un paquet d'autres monde disparaît crime ça pas capable d'être impuni et monde qui là pour protéger vie avec bien n'a pas les policiers particulièrement Paul Mena qui était directeur départemental police et la Thibonite et que vous état-major de la police a remplacé le jour vendredi 4 octobre 2024 là, mais il faut qu'il réponde question la police judiciaire, il faut qu'il réponde question inspection générale de la police pour complicité dans le massacre qui fait sous population et Ponsonde. Et nous voyons que immédiatement après le massacre, la police là, avec force multinationale là, mettez en présence l'autre bois. Qu'elle estime que c'est bien. Mais ni important tout pour un travail prévention qui fait. Pour un travail qui fait avant et à chaque fois que la situation ça représente, les atouts faits ça, bandits sans quoi ni loi, théorie ça, il y a information pour attaquer la population, pour intervenir à temps. Et là, la police a intervenu depuis qu'on tire sur les policiers, c'est pour les policiers, tout y est. Bandio, c'est des terroristes qui ont fait 3 actes sur la population, ils ont parlé l'autre choix, ils jouent au compte, c'est pour remettre les armes, rendre tête, et si ils ne pas remettre les armes en tête, les policiers ne peuvent pas continuer à compter les cadavres, les populations ne peuvent pas continuer à mourir. Et dans ce sens-là, nous dit tout. Je dis, depuis hier, lundi 7 octobre 2024, là, gagné un nouveau monde qui prend tête CPTA, c'est le coordonnateur ou le président CPTA, dans le cadre du président Stonat, nous voulons parler de Leslie Walter. Nous demandons au CPT, conseil présidentiel, là, renoncer à l'argent avec 5 millions de gouttes à recevoir chaque mois pour question intelligence ou bien renseignement. Même j'entends nous demander pour primature renoncer à comme ça. Et pendant que les policiers pas capable de manger, pendant que les policiers quittent les zones pour chaper avec les bandits, parce que les bandits ont une protection et des acteurs dans la chaîne pénale là, particulièrement la justice, en pile juge avec le commissaire gouvernement,
Et la police nationale là, pas gagné plus passer 3 millions de gouttes pour service de renseignement. La police, alors que chaque conseiller présidentiel a recevoir chaque mois 5 millions de gouttes à partir des budgets 2024-2025 là, chaque 12 mois, il a recevoir 5 millions de gouttes. Monsieur, dame, nous connaissons que 5 millions de gouttes là, c'est plus passer 30 millions de dollars américains. Alors que la police a comme institution, pas recevoir, pas gagné. Et puis qu'on y a chaque conseiller présidentiel de 5 millions de gouttes pour service d'enseignement. Ça, c'est corruption qui est liée. Nous demandons 4 membres CPT qui étaient eux, mais nous considérons 4. Et nous voulons parler Edgar Leblanc, Leslie Walter et Laurent Cécile avec Fritcha. Parce que l'autre 3, l'autre 2, c'est des gens qui sont impliqués dans le scandale. Ils doivent retirer quoi, dans le conseil là. Pour mettre à la disposition de la justice et conseiller qui était et quatre autres, si vous chita avec vous, siégez avec vous, ça veut dire tout, vous d'accord, vous faites un complice. Et si conseiller ça aurait été siégé dans le conseil là, il ne peut pas permettre que un juge fait travailler avec toute sérénité les gens là éviter. Vous êtes là, vous êtes payé, vous avez des privilèges qu'il y a avec fonctionnaire. Yo joignent yo impliqué jusqu'au bout dans déchetier bout dans corruption yo pas gagne l'autre bagaille c'est pour yo aller corps n'a reprendre encore nous dit faut conseil présidentiel là avec tout le gouvernement et particulièrement et la primature pour renoncer avec question et quoi bien recevoir chaque mois pour renseignement et ces dames n'est pas normal pendant policier pas manger et monde pas vivre dans pays à pour chaque conseiller présidentiel. Chaque mois, il y a 50 000 dollars américains qui viennent dans la poche pour faire qui ça. Donc, le pays n'a pas grand-pile moyen, ressources petites, il faut utiliser les ressources et pour la population un minimum service. Comment comprendre le comportement d'Edgar lui-même qui participe dans la cérémonie, qui va signer pour voter le président? Edgar Leblanc, c'est un perdant récalcitrant. Pour deux raisons. Tout de suite après le scandale BNCA éclaté et l'autre scandale, Fritz Jean, Leslie Voltaire, Laurent Saint-Cy, ils ont insisté pour jouer une résolution ensemble sur ce qui a passé dans le scandale-là. Edgar Leblanc a refusé parce qu'elle était compté sur 3 missiles pour lui être capable de prendre un conseil à faire pour lui être président. Et tout de suite après le rapport, Pendant plusieurs jours, Fritz Jean, Leslie Voltaire, avec Laurent Saint-Cyr, Mandel, en nous font une résolution pour regarder, reconsidérer la présidence tout notre plan, n'est pas d'accord parce qu'il était besoin de conseil affaibli et pour capacité dans la tête de la présidence. Il n'est pas signé avec eux et puis qu'on y a, il dit comme ça, il n'est pas signé avec l'autre, qu'on y a, il n'est pas signé avec ça, alors qu'il était compté sous Mounza pour être capable de dans la tête de la présidence. Et Edgar Leblanc, président et passage dans la tête CPTA, et bilan est catastrophique. Il est comme dirigeant parti politique, il montre qu'il n'y a pas de leadership, et il est un homme qui contribue à l'affaiblissement CPTA. Nan, ça fait que ouais, tout le grand chantier qui est mal monté. Donc Edgar, c'est un perdant récalcitrant. Pour la Tibonite là, et Paul Médanté souvent dit c'est moi et pas gagné, mais bon, RNDDH ou pas de la gagne comme document, nous dit plutôt le ta gagne relation à gagne. Non, on n'est pas quoi que je ne vous dis à gagne, aucun, la police a pas gagné assez moyen. Pas mon directeur départemental qui a gagné moyen, mais nous dit, dans la Tibonite, dans Ponsonde, il y a plus passé 20 policiers. Et spécialisé, n'a pas spécialisé, Idmo qui est là, il n'a pas réagi, et c'est sous l'ordre de Paul Méda. Ce n'est pas parce que Paul Méda n'a pas de moyens qui fait que les ressources pour les gagner, au lieu qu'elle mette au service population pour protéger bien avec bien, la partager avec bandits, et c'est ça qui fait nous demander des dispositions qui pourront. Et nous-mêmes, nous avons dit, même bien tout, gouvernement, CPT, CSPN, faut que les policiers aient moyen pour faire travail. Au bon état-major, nous sommes capables de dire qu'il y a volonté. Et, ou bien un directeur général de la police,
et lui plus passer tout le temps lui abdormi dans la direction générale de la police pour coordonner le travail de la police. Volonté à là, mais faut autorité mettre moyens à la disposition de la police et nous besoin d'une inspection générale de la police solide et li, pour pas là seulement pour et prendre mesure administrative contre policiers leur fait ça pas ça. Mais il faut que vous gardiez les conditions policières. Les policiers ont besoin de meilleures conditions de travail. C'est pour CPTA avec toute primatia, suspendre, fourrer l'argent, les talents, les poches, corps renseignement, mettre à la disposition des policiers pour être capable de faire travail. Parce que je dis, hein, dans le mois de juillet, pendant la police a besoin de 300 000 dollars américains pour réparer l'indé avec l'autre véhicule. Gouvernement avec toute CPT à Pakabaili et puis il a débloqué plus de 2 millions de dollars pour acheter des blindés pour mettre au service au service Mounpa. Il n'est pas capable de faire comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas même pensé à la sécurité avec la collectivité. Mais on a une précision sur le matériel pour le minage. Non, pas une bonne précision. Et inspection générale de la police, qu'on est, direction générale de la police, qu'on est, et DCPJ, qu'on est, il faut que nous suspendions casser les feuilles couvrir ça. Il faut que le rapport vous faites. Ensuite, il y a également qui parlait de majorité, qui parlait tout de présidence tournante. Leslie Voltaire, en guise de rappel, parce que gagné une résolution 4 octobre, qui lui-même modifié résolution 28 mai, et qui hier, dans mi-temps journée, publié dans le journal officiel du pays, le Moniteur. Hier, messieurs, depuis environ 2 heures de l'après-midi, comme prévu, comme annoncé, des corps ont été implantés au niveau du village d'accueil. Donc, il était quand même visible que d'après le gagné, il y a une cérémonie d'envergure dans la salle qui était préparée à cet effet. Toutes chaises étaient dans là, etc. Il y a des journalistes d'horizons divers qui ont commencé à arriver. Tout conseiller, d'après premier élément d'information, il y a une tranche de ça. Il doit répondre présent. Il l'aime dit tout conseiller. Deux présidents sortant, passant par l'autre membre votant, juste arrivé dans le membre non votant. Et bien, peu avant 3 heures, grosse nouvelle qui d'après arrivé dans un heure et moins, il dit ancien président, ou bien président sortant, ingénieur Edgar Leblanc-Fils, qui lui-même était dans le bureau, il était fait un bon parti dans la journée, en dans village d'accueil là. Il dit Edgar Gadan, ou le Gadan bas, il passé dans le dépôt là, il rangé avec chauffeur, là, il fait route là. L'écrasé rac, limite van avouel li. Li dit fait prier au niveau du village d'accueil, pas non mais non. Et zone 3h45, yo, et c'est le ça, nous allons gagner des membres du gouvernement qui commencent présent en dans salle là. Te gagner tous des diplomates, des ambassadeurs, hormis ambassadeur pays la France là, ambassadeur pays États-Unis qu'une patoue, mais ambassadeur Canada t'es là, t'es une l'autre gros blanc chez Vessi ou chez qui te répond présent également, et l'ensemble des conseillers sauf Edgar Leblanc t'es venu prendre place sans pas oublier sympathisants et famille Lavalas qui ont même te répondre présent tout, que ce soit dehors, local village d'accueil là, et même en dedans. Au passage, il faut signaler également la présence de Pachavor, au baron famille Lavalas, c'est également la coordonnatrice générale. On a parlé là de docteur Maryse Narcisse. Donc, ou pas de besoin de lunettes hier. Pas de parole, famille Lavalas, ça tout. Diogène. Ouais. T'es là, ou pas de besoin de lunettes hier pour te voir, Lavalas t'es représenté. Oui.
Donc c'est comme Jean. Si ça que t'as fait là. Donc Lavalas revendique il. Lavalas seulement. C'est ton cérémonie Lavalas seulement. Parlant de Lavalas, monsieur. Guerrier plus grand. On a des hommes. Est-ce que Parmédel c'est Lavalas qui était toujours bien? Parmédel? Ah, mais les côtés bah la bonne côté lague, ça la gueule quoi là. Bon. Ah, mais des 100 000 litres express partout. Bon machine, oui. Oui, express partout. Oui, côté bah la bonne boulie là. Il y a un bol lui-même. Ben un bol. Bon, bon ouais. Tellement ouais. Son liquide. En moins d'un an, je change de costume oui, plusieurs fois. Ah mais peut-être c'est un niveau plus bas mais c'est image typique on va qu'être gros politicien oui. Chaque nèg a boulot d'un niveau bas. Je vais peut-être assumer. On est bien classe dans boulot tu vois. Bien classe. Ah oui, dire peut-être nous pas mais des dans classe qui plus bas mais gien nèg qui gien gros veste qui gien gros cravate qui marche dans gros machine blindée. C'est à boulot tu endurci et tout. Ouais. Bah on se comprend. Donc m'a garde pas mais des dans tête ton groupe de papa. C'est comme si monsieur plus Lavalas que Aristide Dumas. Oui. En même temps, monsieur plus Lavalas. Non, mais c'est pas dans le cabinet. Et Gilles. Gilles Lédé. Bon, oui. C'est même. Bah, même. En tout cas, bonne volonté pensée pour Poti Yuri. Parce que. Ça le gagne. C'est pas en forme même. Moi, je suis à l'hôpital. Hein. Ah bon? Hein? Moi, je suis à l'hôpital. Donc, les amis de Yuri, il faut arriver où elle est. Parce que tu n'es pas en forme du tout. Okay? Madame n'a pas pris les mêmes bon, je n'ai pas parlé avec elle. Mais tu n'es pas en forme. En tout cas. Donc, bon établissement, tu n'es pas en forme. Les amis, ils font arriver parce que tu n'es pas bon du tout. Quand on dit qu'on a bataille pour lui, je ne sais pas. Mais tu n'es pas tellement en position fixe. Ça fait des fois qu'on doit avoir difficulté pour identifier à l'île. Oui, on a cherché à manger à tout, à créer des ennemis gratuitement. Ouais, bon. Parce que les gens qui ont besoin de ça, même on est gras, même on est loyal. Bref, en tout cas, ce n'est pas le moment pour nous blâmer. Ouais. Donc, si tu as besoin de support, tu as besoin de solidarité. Oui, tu as besoin de qui ont parlé avec lui, les gens qui ont un bon rapport avec lui, pas négliger, penser avec lui. Pour nous retourner dans le vif du sujet, guerrier du seul, nous avons parlé de. En pile là, la sainteté présent. Donc, c'est la preuve que vous revendiquez. Ouais. Eh bien, présidence CBTA. À travers Leslie Voltaire, on décrivait même m'a chercher même m'a regarder est-ce que Jean-Bertrand Aristide va quelque part. Oui. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui dit c'est mon Dieu monsieur Titide bah voilà. Pas là tellement la Valas c'était quand même représenté. Donc c'est vraiment la Valas au pouvoir. Donc si nous regarder configuration et villa d'accueil de dehors jusqu'à Anda hier et après-midi. Est-ce qu'il y avait ou bien est-ce qu'il y a eu passation au Nal des Hommes? Non. Pour qui ça nous dit non? Parce que Edgar Leblanc, fils comme président sortant, il était brillé par absence. Li. Mais ça n'a pas empêché que Leslie Voltaire lui-même était intronisé. Donc il prend reine CPTA officiellement hier. On essaie de regarder en substance qui sa intervention architecte Voltaire était hier après-midi dans le cadre de. Coute cérémonie ça, une cérémonie qui est duré environ une vingtaine de minutes. Il n'y a pas de parole longue. Il était juste allé droit au but. D'entrée de jeu, Leslie Voltaire, messieurs, et monde qui n'a pas de chance de suivre, lui saluer mémoire. Monde qui victime d'un massacre qui fait au niveau de Ponsondia. Jeudi dernier, un drame qui quand même t'a causé la mort environ 70 chrétiens vivants compatriotes haïtiens. Donc d'après un nouveau patron CBTA, c'est une horreur, c'est une brutalité inconcevable, pour le répéter. Mais on a rien qui t'a quand même attiré l'attention. Nous autres, nous attendons que Leslie Voltaire t'apprend dit bon, yo même au niveau du CPTA, depuis 25 avril 2024, pour arriver jeudi, mais qui ça a réalisé, et mais qui ça a pris comme disposition pour continuer
etc. Mais à mon grand étonnement, mon ouais, monsieur Voltaire, même j'en paquet de monde qui a suivi de loin tout, et m'a quoi le dégât du peuple a menti. Il n'a pas caché insatisfaction parce que, selon lui, le conseil présidentiel et le gouvernement, jusqu'à minute n'a pas parlé là, c'est rancé à rancé. Bon, moi-même, j'ai ajouté rancé. Hein. Mais il dit le conseil présidentiel et le gouvernement n'ont pas arrivé. Jusqu'à minute n'a parlé là, fait la paix retourner dans le pays, qui c'était quand même une plus grosse priorité. Donc, contrairement à prédécesseur au niveau de CARICOM qui t'a expliqué qu'il y a des efforts qui fait, etc., pour récupérer ensemble de bagages au niveau du centre-ville, etc. Donc, M. Voltaire, lui-même, il est d'accord. Ok, je dis à 6 bilans, il y en a son bilan qui et pas satisfaisant. OK mm-hmm. Parce que le dit il y en a plus gros attaque population en te gagner à savoir faire la paix retourner en dans pays a jusqu'à présent attendre ça pour combler. Donc, est-ce que le déca dit le contraire tout? Parce que je dis à li a visible si mon travail qui fait à ce niveau n'importe qui est n'importe petit monde petit kawel. Gemon dit a dit est-ce que quelque part tout li pap essayer montrer tout sous leadership et Edgar Leblanc fista pas grand rien qui fait ou bien est-ce qu'il pas en train de dire que pas gen moyen pour parler de bilan maintenant on ta capable rejoindre Ronald des hommes qui te font point hier matin qui dit certes c'est Edgar Leblanc fils qui te coordonnateur ou bien qui te président mais li reton structure collégiale donc si gain échec échec là à partager par contre si vous comprenez les Voltaire ben dit les Voltaire Ronald les hommes si gain échec échec là partager même gens si des gain des bagages positifs qui étaient fait même gens si des gain des efforts considérables qui étaient consentis donc c'est pas Edgar Leblanc fils seulement que tu as venu crédit je t'ai parlé tout carrément du CPT par contre oui, parce que quel que soit gain tu as fait pour montrer que Edgar Leblanc fils n'a pas de bilan ou bien pas de moyen pour le parler de ça le réaliser de ça le faire de ça lui-même lui gérer pendant le président yo pas qu'à faire parce que je dis ya échec Edgar c'est échec conseil là parce que qu'on paquet décision d'importance capitale lui clairement dit pour yo passer c'est son base en majorité donc ça veut dire qui ça de près comme de loin donc n'importe qui ou t'a qualifié passage Edgar dans tête conseil présidentiel là, il contribue là-dedans. Donc son discours pas qu'à autrement à savoir insatisfaction d'abord pays mais également eux-mêmes par rapport à ça ou t'a gagné comme objectif, ça ou t'a gagné comme mission. Et j'en dis il pas de cas dit pays le contraire tout. Bon, nous féliciter quand même, il conscient que pendant pratiquement 5 à 6 mois là, ses pantalons y a descendre. C'est bien quand même. Au moins, il reconnaît ça. Il a plus ou moins fait montre d'une certaine honnêteté. Monsieur Voltaire expliquait que le travail là en pile. Et les font un aveu. Il dit que il reconnaît que il y a des torts à réparer. C'est comme si je vous entends, il fait un pile de bêtises. Il reconnaît ça. Que il descend le pantalon. Donc, c'est ça le relais. Énormément de torts à réparer. Et lui expliquait que yo conscient au niveau du CPT qu'il y a des défis à relever, qu'il y a des obstacles à surmonter et yo dit yo pas satisfait parce que jusqu'à présent Jean Sodil tout à l'heure yo pas arrivé rétablir sécurité pour population et là n'a répété propre parole architecte. On l'autre côté tout architecte Voltaire montrer apparemment hein, apparemment que les conscients de problèmes qui gagnent dans le cadre de cohabitation ou bien dans le cadre de relation c'est une le ça entre gouvernement et le CPT ça qui mettait en grande difficulté pour capable attaquer phénomène insécurité qui jusqu'à présent était yon la principale mission transition à Jean-Claude Dilla, eh bien, lui promet, en parlant de M. Voltaire, Ronald des Hommes, que pendant lui-même, lui pourra diriger conseil présidentiel là, sous sa présidence, eh bien, le CPT
pral gagner pour travail de concert n'a cité avec le gouvernement pour capable arriver contrecarrer phénomène insécurité. Il est estimé que il y a nécessité pour toute force vive dans le pays arriver mettre main avec yo pour capable atteindre un objectif comme ça. Lessie Voltaire pas décaté aux possibilités, bon, disons pas raté occasion de préférence. On a des hommes pour l'été évoquer question dialogue, ok, qui doit être permanent dans le temps comme chef, mais également dans le temps toute force vivante dans le pays. Il y a des collègues, il y a des conseillers présidents pareils pour mettre de côté intérêt mesquin. Donc, M. Voltaire, qu'on est de qui ça a parlé quand même. Mettez de côté intérêt ticoulout pour capable prioriser intérêt nation. Il dit, dialogue la capable arriver faire éviter ou ensemble bagaille parmi eux des confusions, des malentendus, n'a pas cité des querelles de chapelle. Il dit nous devons oublier intérêt et pas nous intérêt personnel nous dans l'idée pour nous capable prioriser intérêt national là. Donc c'est ça quand même représentant famille la voilà ça lui-même lui t'est fait comme déclaration. Maintenant Edgar Leblanc fils appartient désormais au passé. Donc l'histoire a retenu que pendant la première manche dans le cadre de la présidence tournante, dans le conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc a fait 5 mois, sorti 7 mai pour arriver 7 octobre 2024. Même levé matin, monsieur, il y a des questions qui pichent dans l'esprit. Moi, j'ai comme d'habitude des préoccupations. Par exemple, je dis à première question que nous sommes capables de poser, et probablement si nous avons des éléments de réponse, nous allons aider clair. Qui a venu au conseil présidentiel là en Haïti, dans le pays? Qui a venu au conseil présidentiel là? Est-ce que le conseil présidentiel là, guerrier du seul, pour être capable de. Jean Leslie Voltaire dit dans l'intervention là réparer tout ça yo te gagné ou te fait comme toi comme bêtise. Est-ce que yo pral rattraper tant yo perdu dans gérer un bagaille ou bien dans gérer des bagailles qui pas forcément nécessaire pour la République? Est-ce que conseil présidentiel là pral racheter dans gérer population qui jusqu'à minuit n'a parlé là par elle de bon œil? Et je dis à guerrier de seul Ronald des hommes, si nous avons un micro trottoir ou bien nous avons ouvert l'île là, nous demandons aux auditeurs qui ont été en notre relais et puis disons qui ça vous pensez du conseil présidentiel là. Nous mettons ferme confiance, monsieur. Presque 4 personnes sur 5 abdos, crasé par ça. Si nous avons exagéré. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire, je dis à nous en face. Un conseil qui a un déficit de légitimité populaire. Nous en face un conseil présidentiel qui gagne un déficit de crédibilité. C'est vrai, dès le départ, il y a des gens qui ont dit même pas de structure collégiale ça avec 9 présidents, 7 présidents, etc. Mais je dis, par rapport à tout ça qui passe en dans conseil là, par rapport à toute crise conseil là, on est par rapport à tout scandale okay, qui arrive. Fait en de conseil là, un bien appréciation, si appréciation il y en avait, un bien li considérablement diminué. Bon côté population hein, à l'égard du conseil présidentiel là. Donc je dis, est-ce que conseil présidentiel là gagne capacité pour le rebondir, pour le remonter pat là? Ambassadeur américain en pat là, ambassadeur de la France en pat là, c'est vrai. Cependant, un peu plus tard, puis après cérémonie, hein, gagné ambassade américaine dans Port-au-Prince qui lui-même t'après publié un message sur compte X sur compte Facebook yo pour yo saluer et bien nouvelle présidence, nouveau leadership là, etc. Pareil, nouvelle coordination bien là. Est-ce que tu as considéré ça comme une bénédiction de l'international pour conseil présidentiel là? Vous dit ah non, non
impasse ou bien non situation côté gen moun ki gen doute sur avenir conseil là comme les États-Unis ou bien la communauté internationale gon rôle yo joué. OK? Et non mettez pouvoir transition sa campé. Est-ce que le tweet ou bien le message n'a dit comme ça et de l'ambassade américaine li pa vinn renforcer ou bien li pa vinn renouveler soutien américain ou à conseil présidentiel là pour moun qui t'a dit ah conseil ça craser conseil ça va craser ou bien conseil ça va priver loin ou bien blanc pas dans conseil là ou bien depuis pas entendre blanc bis blanc date. Est-ce que ça t'a considéré comme on sorte de renouvellement de soutien à conseil présidentiel la structure transitionnelle ça? Peut-être il est encore tôt de tirer cette conclusion parce qu'on va parler quand même des Américains qui ont même toujours fait montre d'une certaine diplomatie dans tout ça y a fait comme approche dans tout ça y a dit par rapport avec Haïti etc. Donc ça arrive ouais yo mettez ça yo mettez ça pour la consommation de l'opinion et parallèlement yo même yo gagné de l'autre agenda. Donc si n'a prend déclaration yo ou bien message yo au premier degré ou dans les hommes, est-ce que n'a dit avec message ça eh bien nèg conseil présidentiel le caral on souffre pour dire ah comme les Américains c'est yo qui derrière nous comme yo même yo très impliqué dans pouvoir ça bon mais au tweet donc ça veut dire résolution 4 octobre là passé. Est-ce que vous avez temps à battre bravo pour ça? Peut-être c'est prochain jour qui pourra dire ça. L'autre question encore qui est importante que nous avons posé, nous connaissons en dans le conseil présidentiel là, tu as toujours gagné des luttes et intestines, nous avons dit comme ça, des batailles pour pouvoir. Parce que l'éclair, tous les 9 conseillers présidentiels, ils ont chaque intérêt par eux. Et ce n'est pas pour ça raison, ça fait d'où Leslie Voltaire connaît de qui ça? La parlé que le ta sincère ou pas au niveau du conseil présidentiel que le te membre qui gen droit de vote yo que le te membre qui pas ka voter yo chaque gen agenda yo chaque gen intérêt y a défendre et à un certain moment nous ta capable mande nous est-ce que c'est pas parce que chaque grain conseiller dans conseil présidentiel là gagne intérêt misqué ou y a défendre ou bien propre agenda yo qui fait ou pas jeune qu'arriver en tanyo sur une série de bagaille qui vinn faire conseil présidentiel là te vinn à fonctionner apparemment dans l'ombre du chef du gouvernement au lieu d'accuser Edgar Leblanc fils comme quoi monsieur pas ta rien leadership ou bien monsieur t'a contribué dans affaiblir conseil là devant la primature, yo même yo ta capable poser cette question ça tout. Est-ce que si yo t'est arrivé en temps yo autour d'un intérêt commun qui tape l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple haïtien, est-ce que yo t'est capable ouais tête yo comme ça par rapport au gouvernement qu'on est là? Regardez ça, je dis. Donc puisque il y a des batailles, on a plus fini en dedans et CPTA chaque groupe, chaque nèg a bat, c'est eux-mêmes qui pour paraître, c'est eux-mêmes qui pour gagner contrôle tel bagaille. Chaque jour vini ou toujours tant des désaccords, des divergences, etc. Donc, est-ce que avec nouvelle présidence, ça, nouvelle coordination, ça, nouveau leadership, ça, eh bien, conseil là, vous avez une capacité pour gérer divergences à l'interne? Il y a une question à poser. Jodi, Edgar Leblanc, fils clair, guerrier du sol, on a des hommes, il prend distance, lui. Avec monsieur. Maintenant, il reste à savoir est-ce que Edgar a démissionné ou pas. Mais ça, c'est certain, il n'a pas signé résolution 4 octobre. Là. Pas fait passation. Il n'est pas présent dans la cérémonie, voire il a fait passation. Donc ça veut dire, ça veut dire. Mais ça paraît beaucoup plus intéressant à souligner dans le cas d'Edgar, c'est que ensemble de partis et de groupes politiques qui étaient entendus pour désigner le pouvoir représenter en dans le conseil présidentiel là, il aurait été quoi que Edgar Leblanc fils pas capable de continuer à siéger bon côté monsieur Sayo qui selon conseil collectif de Javier eh bien est indexé dans rapport ULCCA donc il c'est des monde qui ont gros soupçons corruption sous deux donc il pas digne ne serait-ce que sous plan éthique et moral pour retenir dans conseil là donc il a mandé représentant roi pour faire un retrait purement et simplement. Bon, ce que nous-mêmes nous avons partagé sans nous avoir communiqué 30 janvier, nous connaissons qui s'est le tapier. Nous avons clairement dit si Edgar Leblanc, fils, voulait être cohérent
effectivement. Donc sous du papa chita ba côté vol, papa chita ba côté corrompu, papa chita ba côté nèg qui gagne dans cité dans mauvaise affaire. Pas signé là, c'est intéressant. Pas présent dans cérémonie, toujours de la cohérence. Mais qu'on y a là. Est-ce que dans jour qui vini là, puisque les six Voltaire fait appel à un dialogue d'abord dans mitan yo et dans mitan force de nation, pour aller une possibilité pour jouer une conciliation simple entre Edgar et l'autre conseiller dont les trois conseillers indexés dans l'affaire BNC. Dans le sens que vous avez gagné pour Chita, pour discuter autour d'un ensemble de grandes décisions qui concernaient la République, et pourquoi pas même arriver à voter, quelle que soit l'orientation. Edgar Leblanc fait stakabay, on vote li, nan on séance donnée. Mais toujours est-il, il est capable de paraître incohérent parce que trois conseillers présidentiels à plat. Jusqu'à preuve du contraire. Par contre, vous comprenez. Et collectif 30 janvier a clair, guerrier de Dieu, par contre, vous avez communiqué. Collectif 30 janvier.